Salut à tous, bienvenue sur Chaos Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un petit truc sympa que j'ai acheté. Donc c'est ceci. Je vais vous montrer en fait pour le mettre en place. C'est un OBD en fait, donc ça peut faire prise OBD pour faire un diagnostic. Mais également, ça donne toutes les infos de votre véhicule. Donc c'est branché directement à la prise OBD, relié donc au calculateur directement. Ça vous dit la pression d'huile, ça vous dit le voltage de votre batterie. La consommation mixte en essence, en carburant, ça vous dit également la température moteur, enfin bref, ça dit tout. Donc on va le mettre en place, je viens de le recevoir, donc je le découvre en même temps que vous, c'est parti. Donc déjà au niveau de l'emballage, on voit qu'il y a plusieurs types d'animations. Donc le support est ici. Voilà, donc ça se met visiblement soit au pare-brise, soit directement sur le tableau de bord. Donc on va voir ça. Donc c'est parti, on va le déballer, voir un peu comment ça se présente. Une petite notice en anglais du coup. Donc on peut mettre l'heure et tout, j'ai vu la time clock. Donc ça c'est notre boîtier qui est là. Qui est pas très grand du coup, hein, mais bon c'est suffisant. Après au niveau de la présentation, ouais, c'est assez sympa la forme. Ça, c'est à son petit délire sport. Donc notre prise OBD, donc ça va se brancher à l'OBD, ça va venir sûrement se brancher derrière je suppose, ouais exact, donc cette fiche elle va ici au niveau de la broche, et ensuite donc ça c'est un double face, voilà, pour le coller je pense sur directement ou le tableau de bord ou le pare-brise, je sais pas. Ça c'est pour retirer les plastiques, alors je sais pas pourquoi c'est là du coup. Ok, donc il y a deux doubles faces et c'est tout. Bon, on a une petite clé ici. Alors, je sais pas à quoi ça sert pour visser ou dévisser. Donc on va voir tout ça. Donc je le mets en place et je reviens vers vous. Donc ça y est, je l'ai branché sur l'OBD. Donc sur l'Audi TT en fait, l'OBD il se situe en bas à gauche ici. Voilà, donc le fil là, je verrai après comment le fixer. Là pour l'instant, il passe par ici derrière la portière. Donc ils viennent derrière, donc on le voit pas trop. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du design, c'est assez sympathique. Petite lumière bleue. Voyons ici au niveau des boutons, qu'est-ce que ça donne. Ok, donc là on peut changer en fait l'animation. Donc il y a celle-ci, plutôt sympathique. Ok. Ok, donc là ça nous dit à peu près tout. Turbo, ok, RPM, speed, donc la vitesse, le voltage de la batterie 11,7. Ok, donc là c'est uniquement la vitesse, distance, le temps, speed, donc je peux pas vous dire. On va essayer de la démarrer. Ok, donc là on voit la vitesse fonctionne, la tension de batterie, la température moteur qui augmente. Donc voilà, on a pas mal d'infos et en changeant, voilà, on a tout, pression turbo. Donc on a aussi ce mode qui est assez sympathique. Voilà. En fait, voilà, on peut choisir en appuyant sur un simple bouton. Bon, je vais m'arrêter, je continue la présentation. Donc voilà pour ce petit outil. Ça coûte une cinquantaine d'euros. Voilà, donc là on peut changer les modes comme ce que je vous montrais. C'est branché à l'OBD directement. Et alors ça par contre je sais pas ce que c'est. Voilà, en restant appuyé au milieu en fait on a accès au menu speed, RPM, fuel, turbo. Ok. Donc voilà pour cette petite vidéo. En espérant que cette petite vidéo vous aura plu, assez rapide. Je vous mets dans la description le lien de l'article là, qui vaut une cinquantaine d'euros. Et je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut.